Le motif, c'est la reconnaissance de Conakry. Parce que Conakry, dans l'affaire des anciens contractuels, est resté dans les oubliettes. Grâce à certaines structures syndicales fantômes et certains coordinateurs corrompus, ils ne veulent pas reconnaître l'existence des anciens contractuels à Conakry. Or, depuis 2018, les anciens contractuels évoluent à Conakry dans les écoles sans salaire. Aujourd'hui, on parle de l'engagement, on veut ignorer Conakry. Raison pour laquelle on s'est présenté aujourd'hui, vous avez vu la foule, le monde, on est venu répondre à l'appel de notre coordinateur pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les anciens contracteurs de Conakry existent. Voilà le but de notre présence ici ce matin. Ce n'est pas une montagne à déplacer. C'est d'engager automatiquement les anciens contractuels de Conakry jusqu'à Yomou à la fonction publique, sans condition. Nous avons toujours dit et réitéré l'engagement des anciens contractuels de Conakry à Yomou. C'est ce qu'on peut dire à l'État pour la quiétude, pour la bonne foi, de dire à ceux qui sont derrière les manipulateurs d'arrêter qu'il y a des anciens contractuels à Conakry, il y a des anciens contractuels à l'intérieur du pays. Nous sommes tous les enfants de ce pays, aucune division, aucune différence. Tout commence à Conakry. Tout doit débuter à Conakry. À bas les syndicats opportunistes. À bas la division. À bas la division. À bas la corruption. À bas la corruption. À bas la malhonnêteté. À bas la malhonnêteté. Vive le SNEC dirigé par Abouakar Souma. Vive le SNEC dirigé par Abouakar Souma.